TikTok est maintenant l'avenir de ce business-là. TikTok est l'avenir du dropshipping. Voilà un peu, TikTok est l'avenir du dropshipping. Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici c'est Marc Donald, entrepreneur en e-commerce, dropshipping et expert en TikTok Ad. Dans cette vidéo, chers amis, nous parlerons de la publicité TikTok, ok, par rapport à la pub Facebook, chers amis. Chers amis, vous n'êtes pas sans savoir que TikTok fait partie des meilleures applications, ok, des meilleures applications que beaucoup de personnes ont eu à pouvoir télécharger au cours des derniers mois, au cours de ces derniers mois, ok. Ce qui fait que TikTok se positionne en première position de toutes les applications, ok, de toutes les applications mondiales, ok, la plus téléchargée. Ce qui fait que quoi, TikTok occupe la position number one parmi toutes les applications. Après le TikTok, il y a WhatsApp. Après WhatsApp, il y a maintenant Facebook qui occupe la troisième position. Voilà un peu, chers amis. Donc, ce qui veut dire quoi, chers amis? Ce qui veut dire que TikTok est maintenant l'avenir de ce business-là. TikTok est l'avenir du dropshipping. Voilà un peu, TikTok est l'avenir du dropshipping. Ok? Donc, en tant que e-commerçant, en tant que dropshipper, il est aussi important, ok, non seulement avec Facebook, mais il est aussi important de faire également la publicité avec TikTok parce que quoi, il y a beaucoup de personnes qui sont sur TikTok et en tant qu'entrepreneur, tout ce qu'on a vu, c'est quoi? Là où nous allons faire vendre nos produits, là où nous allons vendre nos produits, ok. Donc, sachez que TikTok est maintenant, ok, et l'outil là, ok, et TikTok est maintenant le réseau social qu'on peut exploiter maintenant pour pouvoir faire vendre nos produits. Vous voyez un peu, donc c'est ça, chers amis. Ce qui fait que quoi, j'aimerais pouvoir travailler avec quelques groupes d'entrepreneurs ici aux États-Unis, ok, qui sont plus sur le TikTok parce que les Américains, les dropshippers américains font plus le TikTok que le Facebook, ok. Donc avant je faisais le Facebook, mais là à cause des blocages de Facebook et tout ça commence pas à m'énerver et tout, donc j'ai essayé de me mettre avec ces experts qui sont sur le TikTok, sur le marché anglophone, ok. Ce qui fait que j'ai essayé de me faire plus former dans sur le TikTok, ce qui fait que quoi, je mettrai le TikTok de A à Z, ok. Et c'est ça que j'apporte dans ma formation. J'ai mis ça dans ma formation. Ce qui fait que la majorité de mes étudiants, tous ceux-là qui rentrent dans ma formation, ils ont leur premier vente déjà à partir de leur deuxième semaine. Voilà un peu. Parce que quoi, TikTok, c'est l'avenir. N'importe quel produit que vous avez sur TikTok, il y aura des gens qui vont acheter. Vous n'avez pas forcément de produit une heure avant de faire tourner votre boutique avec le TikTok. Ok, vous voyez un peu. Donc, j'ai des étudiants qui ont pas mal de résultats avec le TikTok. J'ai des étudiants qui ont réussi à pouvoir me faire 65 000 en 2 mois, 29 000 en 1 mois, ok, seulement avec le TikTok, ok. Donc voilà, avec le TikTok c'est l'avenir. Donc quelqu'un qui fait mieux avec le TikTok peut facilement faire même 100 000 $ ou 200 000 $ en 1 ou bien en 2 mois. Vous voyez un peu. Donc le TikTok c'est très simple, ok, c'est très simple, mais il faut mieux comprendre comment ça fonctionne, comment fonctionne TikTok, ok. Sinon vous allez faire beaucoup d'erreurs. Vous voyez un peu, mais c'est très facile. Et aussi le risque de blocage sur TikTok, c'est minime que sur Facebook. Okay? Déjà, même comprenez que sur Facebook, même en créant le compte Facebook, déjà on vous bloque. Okay? Vous ne savez même pas ce pourquoi on vous bloque en créant juste le compte, sans même faire la publicité. Soit en faisant la publicité, on vous bloque, vous ne savez même pas ce pourquoi on vous a bloqué. Vous voyez un peu. Et avec Facebook, quand c'est n'importe quoi, je vous assure, chers amis, excusez-moi du thème, mais c'est n'importe quoi. À cause de Facebook, beaucoup, beaucoup de dropshippers, beaucoup de personnes qui ont vraiment envie de se lancer dans ce business, ils ont abandonné le dropshipping. Or, c'est un business qui fonctionne très bien, c'est un business qui fonctionne très bien, qui fonctionnera toujours, même dans les 5 ans à venir, c'est un business qui sera toujours et en fonctionnalité, okay? Parce que les gens continuent toujours d'acheter en ligne, dans ce qui veut dire que nous, on fera toujours des ventes. Donc, ceux-là qui font bien les choses, ceux-là qui auront une très très bonne boutique et tout, ok,
et ils feront bien les choses. La pub, tout, ils feront toujours des ventes. Voilà un peu. Donc, c'est ça. Chaque personne, chacun d'entre nous, on a toujours notre part du gâteau sur le marché de l'e-commerce, sur le marché du dropshipping. C'est ce que j'ai souvent l'habitude de dire aux étudiants, que on a toujours notre part du gâteau là. Okay? Parce qu'il y a des milliards en jeu sur le marché. Donc, chers amis, tandis qu'avec la publicité, avec et le TikTok, avec TikTok, okay, si vous faites la pub, si votre produit ou bien vos produits ne répondent pas, vos produits ne répondent pas aux normes publicitaires de TikTok, comment ça fonctionne? TikTok rejette la publicité, okay, ou bien si c'est la vidéo, TikTok rejette la vidéo, ou bien si c'est le lien et sur le test qu'on met dans la vidéo, sur la publicité, TikTok peut rejeter. TikTok vous dit là où il y a le problème. Ok, si TikTok vous signale là où il y a le problème, et vous commandez d'aller corriger le problème, sinon votre pub ne sera pas validée. Donc il faut aller corriger avant que la pub soit validée. Maintenant, si vous persistez, si vous insistez deux trois fois, TikTok bloque votre compte. Ok, TikTok votre bloque compte de façon temporaire. Ok, TikTok peut bloquer ça pendant 2 jours, 3 jours, 4 jours. Ok, pour que peut-être ça va vous apprendre à pouvoir savoir que oui, si on vous dit si on vous dit quelque chose, il faut respecter la chose. Ok, c'est bien avec TikTok. Ok, et au bout de 3 jours, 4 jours, 5 jours, vous avez votre compte qui est fonctionnel et vous pouvez facilement l'utiliser. Ce n'est pas sur Facebook, on vous bloque, on vous bloque. Voilà un peu. Donc, c'est ça. Et mais si vous vendez, si vous faites la promotion des choses pornographiques ou bien des choses qui montrent les seins des femmes ou bien des produits liquides, des produits, des pommades et autres, là vous serez bloqué. Ça, c'est normal, on vous bloque, mais on vous bloque, oui. Mais si vous écrivez avec eux, ils seront décrits avec TikTok, ok, vous leur envoyez un message, puis ok, de vous excuser, ils vous relâchent encore. C'est très facile avec TikTok. Mais le blocage sur TikTok, c'est très très minime, très très minime même. Très très minime. Vous pouvez faire même 6 mois, 1 an sur TikTok sans être bloqué, si vous faites bien les choses. Ok, je ne sais pas si Facebook, vous êtes sur Facebook 2 semaines, 1 semaine après, ou bien 3 semaines, vous bloque. Non, ce n'est pas ça avec TikTok. Voilà un peu. Ce qui fait que TikTok est l'avenir et TikTok, je le recommande à tous mes étudiants. Mes étudiants utilisent TikTok à 75% et Facebook à 25%. Ok, donc c'est ce que je tiens pour vous dire. Tous les entrepreneurs, tous ceux-là, ceux-là qui sont vraiment découragés de ce business, que Facebook nous pose problème, Facebook a un blocage de ce business-là. Chers amis, il y a le TikTok qui est puissant que Facebook. Je le dis, TikTok est puissant que Facebook. Ok, et avec TikTok, vous aurez rapidement vos résultats. Vous voyez, parce qu'il y a beaucoup de personnes sur TikTok actuellement et ce sont des gens qui sont prêts à pouvoir acheter si vous avez un produit intéressant. Ouais, un peu. Donc, c'est ce que je tiens à pouvoir vous dire par rapport à ça. Et tout à l'heure, je vais partager mon écran. Je vais vous montrer comment fonctionne la publicité avec TikTok par rapport à Facebook. Ceux-là qui disent que TikTok, c'est compliqué. Non, non. C'est très facile. C'est presque les mêmes configurations pour la publicité que ce qu'on voit sur Facebook d'habitude. Mais c'est un peu différent. Okay? Il y a aussi les thèmes. Il y a les thèmes qui sont un peu différents. Mais c'est très facile quand même. Okay? Il suffit seulement d'avoir la bonne formation, la bonne information. On vous montre comment ça fonctionne et vous aurez juste la facilité de le faire. Ouais, puis dans cette sécurité, on pourra vous dire sur ça. Dans là, on se retrouve sur mon écran. Merci. Alors, les amis, la première des choses, c'est de créer le TikTok Ad Manager, okay, comme on le fait sur Facebook. Okay, et sur Facebook, comme on crée le Business Manager. Et après, on fait la configuration des événements. On essaie d'associer maintenant et le pixel avec notre boutique Shopify. C'est pareil avec. Et avec le TikTok également, c'est pareil avec le TikTok Ad, ok? Donc là, c'est très facile, le fait pour créer le TikTok Ad Manager, c'est très facile, sur son d'écrire TikTok Ad Manager, ok? Vous écrivez TikTok Ad Manager dans une nouvelle fenêtre, ok? Maintenant, vous cliquez sur le premier lien, là, vous avez TikTok Ad Manager, là, vous cliquez sur ça, ok? Vous cliquez sur le premier lien. Arrivé à ce niveau, vous appuyez sur Get Start ou bien Start Now, n'appuyez pas sur Sign In. Si vous avez déjà un compte, c'est bon, mais si vous n'avez pas un compte TikTok Ad Manager, c'est pas un compte et pouvoir faire et pouvoir poster les vidéos TikTok. Non, non, non. Je vais pas dire, si vous n'avez pas un compte TikTok Ad Manager auparavant, si c'est votre première fois que vous voulez créer un compte TikTok Ad Manager, ok, voilà TikTok for Business. Si c'est pour la première fois, vous appuyez sur Get Start, ok. Maintenant, appuyez sur Get Start. Ici, maintenant, ça va vous demander quoi? De mettre votre et. De mettre ici votre numéro de téléphone, ok. Vous avez la possibilité, vous avez deux possibilités en fait. Vous avez la possibilité de créer le compte avec votre numéro de téléphone ou bien avec votre email, ok. Ou bien avec votre email. Donc vous pouvez faire avec votre téléphone portable, ok.
mettre votre numéro de téléphone, créer un mot de passe, confirmer le mot de passe. Et maintenant, ça va vous envoyer un code de vérification sur votre téléphone portable. Et, OK? Et vous aurez juste à pouvoir et entrer le code directement ici et vous appuyez sur, vous cochez, vous appuyez sur sign up. Et ça va passer. OK? Si ce n'est pas email, c'est pareil. Vous mettez votre adresse email là. Vous créez un mot de passe. Vous reconfirmez encore. Vous vérifiez. Et maintenant, vous appuyez sur sign up. Et vous cochez ici. Vous appuyez sur sign up. Et après, maintenant, la partie qui va suivre, c'est quoi? Ça va vous demander et de mettre. Et de fournir quelques petites informations, ok. Et le website, et de mettre l'adresse de votre boutique, ok. Donc vous allez pouvoir mettre et le website, ok. Ou le website, hein, terminapa.com, ok. Si votre boutique, si c'est Angela, si c'est Angela.com, vous allez mettre Angela.com, ok. Vous allez mettre ça là. Et aussi fournir quelques petites informations supplémentaires, vous validez, ok. Et si vous validez directement, ça va vous envoyer maintenant dans l'interface du TikTok Ad Manager. Directement. Donc si vous validez maintenant ça, ça vous aurez une page du genre. Là, moi, je l'ai déjà fait, raison pour laquelle je ne vais pas le faire. J'essaie juste de vous expliquer comment ça fonctionne. Donc la première des choses, c'est de créer le TikTok Ad Manager. Voilà un peu comme le faire avec Facebook. Voilà un peu, donc c'est ça. Donc après, ça vous envoie maintenant. Là, je suis sur mon compte TikTok Ad Manager. J'ai un compte TikTok Manager ici, je suis là. Après maintenant, ça va maintenant sur une page du genre. Après avoir rempli les informations tout et tout, ok. Ça peut vous demander si vous voulez créer votre, si vous êtes prêt à pouvoir créer votre première campagne, ok. Donc c'est ça. Si vous êtes prêt à pouvoir payer votre première campagne. Donc moi j'ai déjà un compte TikTok, ok. Donc j'essaie de vous expliquer comment ça fonctionne pour que vous sachiez que c'est la même chose au fait avec Facebook, ok. C'est la même chose avec Facebook, juste que avec TikTok c'est plus simple, ok. C'est plus simple mais un peu complexe. Il faut mieux comprendre en fait comment ça fonctionne, ok. Si vous n'avez jamais fait la pub avec TikTok, ok. Si vous ne savez pas comment ça fonctionne, vous allez toujours vous perdre. Parce que il faut également associer le pixel avec votre, il faut également associer le pixel avec votre compte et choses là. Avec votre compte Shopify, ok, il faut associer le pixel avec votre compte Shopify. C'est vraiment important. Voilà un peu, c'est vraiment important. Donc c'est ce que je tiens à pouvoir vous dire. Maintenant, je vais vous montrer rapidement comment fonctionne la pub, ok. Comment fonctionne l'interface de TikTok si vous voulez faire la publicité. Et vous allez voir que c'est un truc du genre, c'est un peu similaire avec Facebook en fait. Voilà un peu, c'est un peu similaire avec Facebook. Donc là, j'appuie sur campagne, ok. Là, j'appuie sur campagne. Ouais, j'appuie sur campagne. Voilà que c'est l'interface, ça va être un peu différent de Facebook, mais pour côté pub, c'est la même chose au fait. Voilà un peu. Là, j'appuie sur campagne. J'appuie sur créer campagne. Ok, quand on a souvent l'habitude de faire sur Facebook, j'appuie sur créer campagne. J'appuie sur créer. Voilà un peu. Donc, c'est ça. Ouais, ça met campagne, advertise, setting, ad group, ad. Voilà un peu. Donc, là, je vais vous expliquer au fait comment fonctionnent les choses ici. Alors, sur Facebook, c'est pareil. Ouais, ici maintenant, comme objectif. Sur Facebook, on a souvent l'habitude d'utiliser quoi comme objectif? Conversion. Ici aussi, c'est pareil. Ok, c'est conversion. Donc, je vais mettre ça sur conversion. Ok, je descends ici. Name, campagne name. Ok, donc il faut mettre le campagne name. Par exemple, et si c'est la bio, je vais mettre abio, abio. Ok, et suivi du nom du produit pour pouvoir reconnaître les choses là. Et ma campagne, parce que je vais pouvoir faire plusieurs campagnes. Donc, il faut toujours nommer les campagnes pour pouvoir vous retrouver. Ok, pour ça, pour telle campagne, ça du tel produit. Moi, je vais mettre Abio Test. Ok, je vais mettre Abio Test. Juste parce que nous sommes en test, quoi. Ouais, un peu Abio Test. Ouais, par exemple, maintenant, si c'est en CBO, si c'est une campagne en CBO que vous voulez faire, vous venez là, vous appuyez et donc vous allez renommer la campagne CBO et vous allez cocher ici. CBO, ça fait budget et campagne budget optimisation. Vous voyez que c'est pareil avec ce qu'on fait sur Facebook. Ok, maintenant si c'est la bio, je ne touche à rien là parce que comprenez une chose, la bio consiste à pouvoir mettre le budget au niveau de sa tête. Ok, la cible consiste à pouvoir mettre le budget au début de la campagne et donner le choix maintenant à Facebook ou à TikTok. Ok, de faire quoi? De mettre plus de budget là où là et sur les adsets qui fonctionnent le plus. Maintenant aussi au niveau de la au niveau du TikTok, on ne parle pas d'adsets, on parle de ad group. Ok. C'est sur Facebook, on parle d'adset, mais ici sur TikTok là,
AdSet ici sur TikTok est égal à AdGroup. C'est la même chose en fait. Mais ici, on parle d'AdGroup parce que je vais montrer ce pourquoi on parle d'AdGroup. Ok, on verra ça dans la suite. Donc, je viens ici, j'appuie sur continue. Ok, là nous sommes en ABU test. J'appuie sur continue. Ouais, un peu. Ok, super. Donc, arrivé à ce niveau, chers amis, qu'est-ce que je fais là? Campagne name. Je laisse ça d'abord. Ok, et après, je vais venir mettre ça là. Je viens ici maintenant à le pixel, je vais sélectionner le pixel et tout, ok. Si vous aimeriez que je vous montre comment et connecter le pixel à sa boutique Shopify, mentionnez-moi ça en commentaire. Là, je ferai une vidéo pour vous montrer comment connecter le pixel TikTok avec Shopify, ok. Comment connecter le pixel de TikTok avec votre boutique Shopify, ok. Moi, je l'ai déjà fait depuis. Donc, si ça vous intéresse vraiment, j'aimerais voir vos commentaires, mentionnez-moi ça en commentaire. Et aussi, si la vidéo là a au moins 1000 j'aime, et au moins, non, excusez-moi, si la vidéo là a au moins 100 j'aime, au moins 100 j'aime, je ferai sortir une nouvelle vidéo pour pouvoir mieux vous expliquer comment fonctionne le TikTok. Ah, ok, donc c'est ça. Donc je viens ici, je viens ici, c'est ouais, souvent sur chose là, sur Facebook. Le type de conversion qu'on utilise, c'est quoi? C'est ces choses-là. C'est push-up, c'est achat. Ok? Mais ici, ici avec le TikTok, le type de conversion qu'on utilise, c'est complete payment. Ok? C'est complete payment. Ce n'est pas push-up, ce n'est pas achat parce qu'il n'y a pas achat ici. Ok? Il y a en tout cas, ouais, il y a view content, en tout cas, complete payment, registration, view page, add payment info, initiative, il y a tout ça là. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est complete payment. Ok? Donc, c'est ça. Donc, TikTok, Instant Pay, si vous avez un compte TikTok personnel, ok, vous pouvez l'associer directement, mais ce n'est pas trop conseillé. Ok? Ce n'est pas trop conseillé. Ok? Ici, placement, vous avez la possibilité de laisser ça sur placement automatique ou bien sur manuel, placement. Ok? Sur manuel placement. Ok? Donc, c'est à vous de voir. Les deux, c'est à vous d'utiliser les deux pour voir ce qui fonctionne le plus. Voilà un peu. Donc, c'est ça. Maintenant, ici, user comment, si vous voulez, vous pouvez laisser les gens commenter votre vidéo. Ok? Si vous voulez voir que quelqu'un commente la vidéo, vous pouvez décrocher. Ce n'est pas sur Facebook où on n'a pas le choix et les gens peuvent venir commenter mal nos vidéos. Ouais. Donc, ici, avec TikTok, c'est super. Vous pouvez couper les commentaires. Vous pouvez couper ici, là. Les gens verront la vidéo sûrement, mais ils ne peuvent pas commenter. Ok, donc ce qui veut dire quoi? Il ne peut pas commenter. Ce qui veut dire quelqu'un qui est intéressé, il écrit sur Shop Now, il viendra acheter. Vous voyez, mais même si, parce que pourquoi je dis ça? Souvent, vous testez un produit, mais peut-être le produit que vous êtes en train de tester, peut-être que quelqu'un d'autre l'avait déjà testé avant vous, et peut-être qu'il y a quelques clients qui ont déjà une mauvaise expérience avec et vos concurrents. Maintenant, si vous retrouvez encore le produit, la vidéo. Selon eux, c'est comme si que c'est vous qui êtes en train de promouvoir. Et selon eux, c'est comme si que c'est la même personne qui est en train de promouvoir également et le produit. Donc, ils commencent pas mal commenter que non, que. Et ils commencent pas mal commenter la publicité en notifiant aux autres que n'achetez pas, ce sont des arnaques, ce sont des voleurs. J'avais commandé sur la boutique il y a de cela un mois ou 2 mois. J'ai pas reçu mon colis ou bien le colis est en damage ou bien je n'ai pas de très bonne qualité. Donc, pour éviter tout ça, chers amis. Moi, je coupe ça. Moi, j'aime pas que quelqu'un commente mes publications. Si vous êtes intéressé à acheter, d'acheter, vous voyez, donc c'est ce que moi je fais en fait. Ici, vidéo dans l'autre. Si vous voulez que quelqu'un, si vous voulez pas que votre publicité se retrouve quelque part ailleurs, ok, vous pouvez couper. Ok, moi, j'ai l'habitude parfois de couper. Ok, je coupe ça parce que j'aime pas que les gens téléchargent mes vidéos parce que ce sont des vidéos que je monte moi-même. Ok. Donc, je ne veux pas que quelqu'un, moi, je peux prendre 30 minutes ou bien 15 minutes pour pouvoir trouver une très bonne vidéo, monter la vidéo, il y aura quelqu'un d'autre qui aura la facilité de télécharger. Non, non, non. OK? Donc, moi, je coupe ça. Je n'aime pas qu'on fasse cela. Ici, les types d'audience et tout, ça, c'est pour l'audience ici, ça, c'est pour le retargeting et autres là. Vous voyez? Ça, c'est pour le retargeting et autres. Et aussi les look-like. Vous voyez un peu? Donc, c'est ça. Donc, démographique ici. C'est parce que je suis aux États-Unis que ça met automatiquement aux États-Unis. Donc, si vous êtes au Canada, vous êtes au Canada. Si vous êtes en France, ça va mettre la France directement là. Maintenant, vous venez là pour pouvoir sélectionner maintenant les autres pays du plus. Ceux-là qui sont sur le marché, ceux-là qui sont dans la zone anglophone, au fait, les États-Unis ou le Canada,
vous aurez ces pays-là. Vous aurez le Canada, Égypte, Japon, Corée, et Koweït, Qatar, Saudi-Arabie, Turquie, United Arab Emirates, okay? Et aussi les États-Unis. Donc ici, dans ce cas, chers amis, moi, je prends juste États-Unis, Canada, c'est fini. Même sur les États-Unis, pour moi, c'est déjà suffisant parce que le marché anglophone est très vaste et large. Et beaucoup de personnes sont sur TikTok sur le marché anglophone. Beaucoup de personnes utilisent le TikTok dans le monde. Ceux qui utilisent plus TikTok dans le monde, là, ce sont les Américains, en fait. Vous voyez un peu? Donc, c'est ça. Donc, là, il y a aussi au Canada et autres, là. Mais les Américains utilisent plus de TikTok. Raison pour laquelle je suis plus sur le TikTok, ce qui fait que je génère beaucoup d'argent. Vous voyez un peu? Donc, c'est ça. Arrivé à ce niveau, vous voyez, il y a Canada, il y a aussi les États-Unis. Ne prenez pas Égypte, Japon, Corée, Qatar. Non, non, non. Ne prenez pas ces pays-là. Ces deux, c'est bon déjà. Maintenant, ceux-là qui sont dans la zone euro et européenne et européenne du moins, excusez-moi, ceux-là qui sont dans la zone européenne, chers amis. Dans ce cas, ceux-là qui ont une boutique, peut-être une boutique en français, ok. Ceux-là qui ont une boutique en français. Dans ce cas, ce qu'il faut sélectionner, ce sont les pays européens, comme d'habitude, ok. La France, la Belgique, et également le Canada, parce que le Canada parle deux langues, le français, et l'anglais, le Canada et aussi autres pays qui parlent le français. Voilà, ouais, donc c'est ça. Ici, vous voyez maintenant que c'est à peu près les mêmes choses que Facebook. Ici maintenant, gender, si c'est un produit pour femmes que vous vendez, mettez ça sur female. Si c'est un produit pour les hommes, ok, mettez ça sur mâle. Maintenant, si c'est un produit généraliste qui peut être utile et à la femme et aussi à l'homme, mettez ça sur no limits, ok. Maintenant, l'âge de toujours commencer par 18 ans et plus parce que quoi? Ceux-là qui n'ont pas 18 ans, ce sont des mineurs qui n'ont pas de carte de crédit, okay, qui n'ont pas de carte bancaire pour acheter. Ouais, donc, on aimerait vraiment ceux-là qui sont en mesure d'acheter nos produits. Okay. Parfois, même, je commence à parler de 25 ans. Je commence à partir d'ici et je décoche ça. Même parfois, je laisse ça là aussi. C'est bon. La langue, okay, vous avez, si c'est bon, si votre boutique est en anglais, si vous êtes sur le marché anglophone, mettez anglais. Okay. Si vous êtes sur le marché francophone, il faut mettre également français. Ça doit être quelque part là. C'est ça, French. Voilà un peu. Donc c'est ça. Voilà un peu. Donc c'est ça. Maintenant, ici, intérêt imbriqué. Ici, c'est maintenant, chose là. Ce qu'on fait sur Facebook, c'est à nous-mêmes d'écrire. Si c'est beauté, on écrit beauté. Si c'est cosmétique, on écrit cosmétique. Ici, maintenant, TikTok nous a facilité la tâche. Vous voyez, je clique dedans là seulement. Vous voyez un peu. Je clique dedans. Si y a un produit qui a rapport avec. Les bébés, les mamans et autres, je coche baby et maternity. Ok, si c'est un produit qui a rapport avec la femme, j'essaie maintenant de cocher les intérêts qui ont un peu rapport avec la femme. Il y a baby kid et maternity. Ok, là il y a les femmes, il y a aussi body et personal car. Voilà pourquoi ici on parle d'ad group. Tout ce que j'ai fait ici maintenant, c'est on parle d'ad group. Pourquoi? Regardez là, ils ont body et personal car. Si je clique sur ça, ouais, regardez tout ce qui est dedans, ouais. Vous dites impersonnel, il y a oral car, il y a hair car, il y a skin car, il y a cosmétique, il y a white, high, styling, ouais, il y a tout ça là-dedans. Maintenant, je peux cocher ce que je veux dedans, ou bien carrément, je peux tout cocher. Je coche tout, moi j'ai l'habitude de tout cocher au fait. Ça me permet de cibler un peu plus large, pour pouvoir plus vite trouver mes clients. Regardez la taille de l'audience là, vous voyez, ça fait plus de 100, 101 milliards, 101 milliards, 700 millions. Ok, entre 101 milliards à 124 milliards de personnes. C'est super, chers amis, c'est super. Et avec seulement ça, vous pouvez faire beaucoup d'argent. Vous voyez, c'est TikTok nous facilite la tâche. Je ne suis pas sur Facebook où nous sommes limités. Ok, il faut aller chercher. On commence par réfléchir quel intérêt je vais mettre, quel tarif je vais mettre pour cibler cette personne. Non, 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 non. Sur TikTok, chers amis, c'est très easy, c'est très facile. Vous voyez un peu, donc c'est ça. C'est très facile. Donc c'est ça. Vous voyez un peu. Donc, je peux. Il y a Baby King et Maternity. Okay. Il y a aussi Body et Personal Car. Si je clique dedans, vous voyez. Il y a Appareil et Accessories. Dans Appareil et Accessories, vous voyez. Il y a Clothing et Accessories. Il y a Bag. Il y a Ordinary Jewelry. Okay. C'est toujours pour les femmes. Okay. Tout ça, les sacs, les habits, les accessoires, les chaînes et autres. Vous voyez un peu. App aussi, si je prends App là, il y a Online Shopping là. Vous voyez un peu. Donc c'est ça, il y a pet, vous voyez, si c'est pour les animaux, il y a pet, si c'est pour les voyageurs, vous voyez, il y a avec TikTok là, chers amis, c'est la puissance. TikTok c'est le numéro 1, chers amis. TikTok actuellement c'est le numéro 1, vous voyez un peu, TikTok c'est le numéro 1,
Donc, avec TikTok, maintenant, vous pouvez faire beaucoup d'argent. Okay? Ceux qui sont découragés par le business, là, chers amis, avec TikTok, maintenant, ça vous donne l'espoir de vous relancer, de faire beaucoup d'argent. Vous voyez un peu, donc, c'est ce que je tiens pour vous dire à ce niveau-là. Donc, là, pour les intérêts, ok, mais il est plus que recommandé de cibler un intérêt par ad et un intérêt par ad group, ok, un intérêt par ad group. Donc là, je peux faire chose là, je peux laisser ceci, ok, parce que regardez seulement ceci, regardez la taille de ceci, vous voyez, ça fait 72 milliards 500, 72 milliards 100, 155 millions de choses là. Donc, c'est énorme, chers amis. Donc, je préfère laisser ça. Je fais un asset par ad group, ok. Il y a certaines personnes, en fait, la deuxième stratégie, c'est quoi? C'est vous pouvez mettre 4 ou bien 5 intérêts dedans, ok. 5 intérêts dedans, ouais, vous pouvez mettre 5 intérêts dedans, mais on mettre un peu plus de budget, ouais, un peu. Donc, c'est ça. Donc, après ça, ici, qu'est-ce que je fais? Je descends, on ne touche à rien là, on ne touche à rien là, ok. On ne touche à rien là, ici, c'est regarder. Ceux-là qui regardent les vidéos jusqu'à la fin, ceux-là qui aiment les vidéos sur TikTok, ceux-là qui commentent plus les vidéos sur TikTok, ceux-là qui partagent plus les vidéos sur TikTok, dans les 7 derniers jours ou bien dans les 15 derniers jours. Okay? Donc ici, là, ce n'est pas trop évident. Moi, parfois, moi, je laisse ça. Ici, ceux-là qui sont plus suivis, ouais, ceux-là qui voient plus les profils et tout. Donc, tout ça, là aussi, ce n'est pas important. Moi, je laisse ça. Les devises ici, ouais, ceux-là qui utilisent Android ou bien iOS, ok? Donc, vous pouvez laisser cocher. Là, je laisse ça aussi. Ceux-là ou bien ceux-là qui utilisent les Wi-Fi 2 Go, 3 Go, 4. Donc, non, non, non. Tout ça, on laisse ça en fait. Ouais, on laisse ça. Pour bien toucher les gens, on laisse ça. Ouais, un peu. On ne touche à rien là. Target Expression, on ne touche à rien là. Ici, maintenant, le budget minimum ici sur TikTok par ad-group, c'est 20 dollars. Ce n'est pas sur Facebook où vous pouvez mettre 15 dollars, 10 dollars, 5 dollars. Non. TikTok, là. Avec TikTok, le budget mini, c'est 20 dollars. Ouais, un peu. Donc, quand je viens ici, je vais mettre 20 dollars là. Ouais, je mets 20 dollars ici. Regardez, comme d'habitude, on programme toujours sur le lendemain à minuit. Ouais, on programme toujours sur le lendemain à minuit. Tous les pubs, toujours le lendemain à minuit. Ouais, un peu. Donc, quand chez amis, vous voyez que, donc c'est ça. Ouais, un peu. Donc, c'est comme ça fonctionne. Après, maintenant, vous avez la possibilité de mettre ça sur le cost cap ou bien sur le lock. Sur le last cross, ok. Parfois, je laisse ça sur le work cross. Oui, vous avez également ici les choses là. Et delivery type standard, ok. Standard. Donc, c'est ça. Après ça, il y a. Vous passez maintenant. Oh, attendez, il y a une chose qu'on a oublié. J'ai encore derrière. J'ai encore derrière. Je vais vous montrer une chose là. Ok, ouais, ici on a pas mis le nom de la troupe là. Ouais, supposons que ici le nom de la troupe là, supposons que c'est, je vais voir ici, on a mis quoi là? Ok, supposons que l'ami Baby Baby Kid Maternity, qu'est-ce que je fais? Je copie ceci, ouais, très facilement. Ok, et je mets ça là. Ouais, je copie ça et très facilement, je mets ça là. Et après, qu'est-ce que je fais? Je passe à l'étape suivante. Ouais, je passe à l'étape suivante. On voit un peu. Donc, c'est. Ouais, donc je passe à l'étape suivante. Et ici, à ce niveau, qu'est-ce que je fais là? À ce niveau, qu'est-ce que je fais, chers amis? Je vais mettre le nom de ma boutique. Et. Excusez-moi. Et ici, c'est le ad group name. Ok. Ça n'a pas d'importance. Vous pouvez mettre. Vous avez la possibilité de renommer votre chose là. Votre publicité, vous voyez, vous avez votre publicité. Maintenant, arrivé à ce niveau, il faut mettre la vidéo upload, ok. Vous pouvez mettre la vidéo, importer la vidéo directement depuis votre chose là, depuis votre ordinateur, ok. Upload vidéo, ok. Vous appuyez là directement, ça va, vous avez sur votre ordinateur, vous allez mettre la vidéo là. Ici, le test aussi, il faut mettre ici le test de votre le test, ok. Le test qui va accompagner la publicité. Ouais, il faut mettre le test qui va accompagner la publicité. Comme on a souvent l'habitude de faire avec Facebook. Ici, call to action. Ici, le call to action, c'est toujours sur Shop Now. Okay? Ici, maintenant, il faut coller l'URL. Ici, maintenant, il faut coller l'URL de choses là. Il faut coller l'URL et de choses là. L'URL de la page produit. Okay? Que, et que,
que vous voulez promouvoir, ok? Le produit que vous voulez promouvoir, il faut aller copier l'URL et coller ça là, ok? Là où vous voulez diriger vos clients directement pour qu'ils achètent, pour qu'ils achètent, ok? Donc c'est ça, c'est ce que je tiens à pouvoir vous montrer. Donc, et vous voyez que ce sont les mêmes structures que sur Facebook, vous voyez que ce sont les mêmes structures que sur Facebook, juste que avec le TikTok, c'est un peu différent et c'est un peu différent en fait, voilà un peu, donc c'est ça. Donc, chers amis, c'est ce que je tiens à vous montrer ici avec le TikTok Ad. Vous voyez, c'est très simple et c'est très facile et c'est très rapide. Ok, juste qu'il faut comprendre comment ça fonctionne. Vous voyez un peu, donc c'est ce que je tiens à vous montrer ici. Alors, j'espère que ça vous a plu cette vidéo, ok? J'espère que vous êtes vraiment intéressé par ce qu'on vient de faire tout à l'heure. Là, vous comprenez que c'est presque les mêmes paramétrages que sur Facebook pour pouvoir faire la publicité, puisqu'il y a des petits trucs qui diffèrent. C'est bien normal parce que ce ne sont pas les mêmes plateformes, ok? L'autre, c'est Facebook et ceci, c'est TikTok. Vous voyez un peu, mais c'est presque la même chose. Donc, quelqu'un qui comprend un peu comment fonctionne la pub sur Facebook peut facilement comprendre comment fonctionne la pub avec TikTok. Voilà un peu. Donc, chers amis, si vraiment vous êtes intéressé par cette vidéo, n'hésitez pas à me le mentionner en commentaire. Et si vous aimeriez que je vous montre comment fonctionne plus le TikTok, ok, et comment configurer le pixel et tout. N'hésitez pas, chers amis, de me le mentionner en commentaire. Tout ce que vous voulez, dites-le-moi en commentaire. Là, je vais sortir à chaque fois des vidéos du genre. Je tiens également à pouvoir vous dire quoi. J'ai lancé mon programme sur le TikTok Ad Pro. Ok? Sur le TikTok Ad Pro, j'ai lancé mon programme. Ok? C'est le premier programme offert sur le TikTok Ad sur le marché francophone, bien sûr. Ok? Et je le rappelle à tout le monde, je suis l'expert numéro 1 en TikTok Ad sur le marché francophone. Ok? Et je lance mon programme sur le TikTok Ad Pro, ok, qui est le TikTok Ad Pro. Dans ce programme, je vous montre comment créer le compte et comment créer le TikTok Ad Manager, comment créer le pixel, comment configurer le pixel et les événements avec votre compte Shopify, ok, comment faire les créatifs des vidéos, ok, comment faire les créatifs de vidéos TikTok parce que c'est différent de ce qu'on fait sur Facebook, ok, comment trouver les produits winners de TikTok, c'est différent avec les produits qu'on trouve sur Facebook également. Ok, sur TikTok, TikTok a une application là où on peut trouver tous les produits winner. Ok, tout ce qui a comme publicité sur TikTok, je vous montre comment trouver l'application qu'on utilise souvent pour faire la recherche des produits winner sur TikTok. Ok, pour pouvoir vite faire nos ventes. Ça, je vous montrerai également comment trouver les produits winner sur TikTok, comment exploiter les concurrents TikTok. Ok, faire comme et faire plus que également. Tout ça, je vous montrerai dans le programme TikTok Pro. Ok. Après ça, je vous montre également comment faire la pub en ABU avec TikTok, la pub en CBU avec TikTok, comment faire le retargeting, comment faire les audiences lookalike également. Okay. Tout ça, je vous montre tout ça dans le programme TikTok. Également, vous aurez également quelques bonus également, aussi quelques masterclass. Chaque mois, j'organise une masterclass pour tous les étudiants du programme TikTok. Okay. Chaque mois, vous aurez une séance de masterclass avec moi en live directement sur Zoom. Okay? Non seulement ça, tous ceux qui vont acheter le programme TikTok Ad, chers amis, vous aurez droit à deux séances privées gratuites avec moi. Okay? Tous ceux qui vont acheter le programme TikTok Ad, vous aurez droit à deux séances privées gratuites avec moi. Vous voyez un peu? Donc c'est ça. Maintenant, je sais que votre question c'est quoi? Parce qu'il y a des gens, il y a des, sûrement qu'il y a des nouveaux là, qui ne savent pas comment créer une boutique, qui n'ont même pas une boutique et tout, ils vont se poser la question, mais c'est seulement le TikTok Ad qu'on aura. Pour les nouveaux, je tiens à pouvoir vous dire quoi. J'ai également une formation, j'ai également ma formation qui est le programme V7 Pro, EcoSmart V7 Pro. Dans ce programme, je vous montre comment créer une boutique généraliste professionnelle en 2022, de A à Z. J'ai dit professionnelle en 2022, de A à Z. Ok? Et comment trouver les produits winners. Ok, comment trouver les produits winners, comment les importer sur sa boutique et tout. Ok, comment faire la pub avec le Facebook Ad, il y a ça dans le programme EcoSmart V7 Pro. Comment faire la pub avec Facebook Ad, comment faire la pub avec TikTok Ad, il y a une masterclass sur TikTok Ad spécialement pour ça, une masterclass de 4 heures de temps où je montre comment faire la pub avec TikTok Ad. Ok, également une masterclass sur Google Ad également. Ok. Et après ça, il y a également l'email marketing. Je vous montre comment faire l'email marketing. Ok.
et aussi comment faire la récupération des paniers abandonnés et tout. Il y a beaucoup de choses au fait que j'enseigne dans ce programme-là. Et bien, vous avez également, vous avez et plusieurs bonus dans ce programme également. Vous voyez un peu. Donc, c'est un programme au complet au fait qui résume tout. Ok? Création de boutique, tout, 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 tout. Maintenant, ceux-là qui ont déjà une boutique Shopify, okay, qui tournent déjà, ceux-là qui n'ont plus besoin d'un programme pour pouvoir créer une boutique ou bien d'un programme pour pouvoir faire la pub avec Facebook ou bien l'email marketing et tout, et qui aimeraient juste avoir le programme TikTok, alors là, il y a le lien de ce, il y a le lien de la formation TikTok là à part qui est en dessous de cette vidéo. Donc, dans cette vidéo, vous aurez le lien de la formation TikTok Ad. Okay, vous aurez le lien de la formation TikTok Ad de A à Z, le lien de la formation TikTok Ad Pro, le lien de cette formation sera en dessous de cette vidéo. Vous aurez le lien de ma formation e-commerce marketing V7 Pro qui résume au complet le TikTok Ad et qui résume au complet la création de la boutique, création de boutique, recherche des produits et la pub avec Facebook, la pub avec TikTok, la pub avec Google, l'email marketing et aussi beaucoup d'autres choses. Ça, c'est à part pour ceux-là qui n'ont jamais eu une boutique auparavant. Vous voyez un peu. Et maintenant, et le troisième lien, c'est ceux-là qui n'ont pas les moyens à pouvoir se lancer dans ce business, mais ceux-là qui aimeraient d'abord comprendre comment fonctionne ce business-là. Le troisième lien, c'est le lien de ma masterclass qui est gratuite, au fait. Okay? C'est une masterclass gratuite. Vous ne payez rien. Il suffit seulement de vous inscrire. Okay? Vous inscrivez seulement. Là, vous allez mieux comprendre comment créer une boutique. Ok, je vous montre comment créer une boutique générale de A à Z. Vous voyez, une boutique générale de A à Z. Donc, vous voyez un peu. Et après, je vous explique aussi certaines choses. Après, je suis la masterclass. Si vous êtes prêt à pouvoir rejoindre le programme V7 Pro, là maintenant, vous pouvez facilement, très facilement rejoindre le programme V7 Pro. Donc, c'est ce que je tiens à vous dire, chers amis. Et merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, ok, jusqu'à la fin. Merci beaucoup. Et à chaque fois, je veux sortir des vidéos éducatives pour pouvoir vous montrer comment fonctionnent les choses. Vous voyez un peu. Donc c'est ça. Et si vous êtes nouveau, si vous êtes nouveau sur cette chaîne YouTube, n'hésitez pas de liker la vidéo, de vous abonner, de commenter aussi. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos. Parce que quoi, je fais sauter à chaque fois des vidéos et il faudrait que vous soyez au courant. Donc ceux-là qui vont activer la cloche de notification à chaque fois, YouTube va vous notifier que j'ai fait sortir une nouvelle vidéo. À chaque fois où je fais sortir une nouvelle vidéo, YouTube vous notifiera. Okay? Dans cet esprit, je tiens à vous dire merci beaucoup, chers amis, et portez-vous bien. On se dit à la prochaine. Bye.